Bonjour, ici Natsu Gaming pour une nouvelle vidéo, la deuxième. C'est destiné aujourd'hui à faire la mission de niveau 2. Je vais peut-être faire plus tard. Oh, il y a une petite update. Oh, je vais de la voir, là. Je savais pas qu'il y en avait une. En tout cas, je vais découvrir ça avec vous. Pour voir si il y a des grands changements. Mais sinon, c'est pas grave. Je vais peut-être la prochaine vidéo ou dans deux autres vidéos, je vais faire le bonus que je vais montrer mon personnage de niveau 13 ou 14 et qui est niveau 14. Puis c'est ça, je vais en reparler. Ça va sûrement être dans deux vidéos pour vous montrer niveau 3. Mais je vais voir à ça. Bon, là, je choisis la destination. Ah, j'ai débloqué l'épreuve. Mais je vais attendre d'être plus haut niveau pour vous la montrer. C'est contre d'autres joueurs. Bon, histoire de niveau 3. Puis, quand on a fini toutes les autres missions, on débloque la lune, je pense. Ben, ça, c'est plus tard. Mais sinon, c'est ça, là. On va aller faire cette mission-là. C'est parti dans 1-0. Là, il faut attendre après le téléchargement. Puis après, ça, on va pouvoir commencer. Il ne reste presque plus rien ici. Laissez écouter. Les déchupis, tout ce qu'ils trouvent. Nous avons eu la chance de trouver ce vaisseau. Un gardien ne peut pas protéger la cité sans ça. Mais il nous faudrait une boîte de distorsion pour aller combattre. Et pour en trouver une, je ne vois que le cosmodrome. Nous avons survécu une fois aux déchus. Nous leur survivrons encore. Ça a l'air qu'il faut retourner à la même place qu'on a trouvé le vaisseau pour trouver sa boîte de distorsion. C'est ça. Bon, là, on peut commencer. Le vaisseau d'un gardien a été abattu par ici. Nous pourrions en récupérer des pièces si les déchus ne l'ont pas déjà fait. Ok, j'ai mon deuxième gun. Ok, c'est bon. Oh, c'est quoi ça? Oh, on peut le ramasser, je vais le faire. Ok, la mission, faut retourner où on a pris notre vaisseau. Je vais essayer de... On va essayer de trouver des ennemis pour pouvoir s'évoluer, pour être assez haut niveau. Mais même ça, on est déjà... Juste pour se renforcer. Les autres, ils m'énervent quand c'est leur tir et te suivent. C'est vraiment fatigant. Ok. J'entends des tirs partout. Ah, là, faut aller voir le vaisseau. Ah, il y a une autre. Il y a un niveau 25, je crois qu'il était. C'est juste là. Bon, le spec, il va l'examiner. Puis nous, on attend, là. Les systèmes sont complètement morts. Mais je pense pouvoir récupérer leur dernière transmission. Ok. Y a-t-il quelqu'un qui comprend quelque chose? On va essayer de la détruire. Ça marche pas. Ils ont réussi à restaurer un relais d'information dans les tunnels en dessous. Ça a l'air que lui il a tout compris, mais nous on peut comme pas comprendre. Bon, on va y aller là. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Le petit truc par terre, si vous l'avez vu. On dirait que quelqu'un les a déjà tués, ça facilite la tâche. Mais comme ça, on peut pas évoluer, ce qui est plate. Mais c'est pas grave, mais il y avait un petit truc à terre, c'est quand tu fais des missions de renforcement, c'est en dehors de l'histoire. On dirait qu'il y a plein d'ennemis, pas grave. Mais sinon, c'est comme je vous disais, c'est des missions de renforcement, c'est comme si t'es pas assez haut niveau, tu vas les faire. Comme ça, souvent tu deviens plus haut niveau, sinon tu vas faire les épreuves, c'est contre d'autres joueurs. Ce qu'il nous faut, c'est la boîte de distorsion. Ça, c'est la carte. Comme ça, nous pourrons voyager vers n'importe quelle planète. Du site où
qu'on est, ça a l'air. Notre seul espoir est là où nous avions dégoté notre vaisseau. Il faut y retourner. Ok, faut retourner. Hé, hey, ça passe pas. Pas grave, on passe par la porte. On dirait qu'il y a plein d'ennemis autour de moi. Ils doivent être dehors. Le gars est en train de les tuer. C'est ce que je crois. Bon, ben, ça a l'air qu'ils ont tout tué. Encore une fois. C'est ce que j'aime pas. Parce que comme ça, ils tuent tout, puis nous, on peut plus évoluer, là. Ok. Oh, ok, il y a un ennemi. Oh, ça, c'est un boss. Ah, oh, il va encore nous aider. Oh, il va être tué facilement. Niveau 25. 24, tout ça. Ah, j'ai de le voir. Ah, y'a-tu fini de se cacher? Bon, ben moi, je t'en ai, je lance ma grenade. On l'a tué. Bon, là, on va pouvoir continuer. Il me semble qu'on rentre pas par la même place que la première mission. Ouais, on rentre pas par la même place. Oh! Prendre le butin. Ok, on a un gant. Ben, bon, le bras, là, ça, c'est meilleur, fait que je vais le prendre. Nous y voilà. Je cherche la boîte de distorsion. Ah, mauvaise nouvelle. Elle est entre les mains des déchus. Comme si on s'y en attendait pas. C'est toujours comme ça. Toujours entre les mains des déchus. J'espère que vous êtes prêts. Oh, ça, quand ça arrive, quand ça fait réapparition limitée, c'est parce qu'il va y avoir quelque chose de dur. Il a l'air d'avoir beaucoup d'ennemis, ça doit être ça. C'est-à-dire tout en tout, de chaque côté, fait que c'est dur d'en aller se cacher. Tu risques tout le temps de te faire tuer facilement. Mais sinon, plus tard tu trouves ça plus facile. Parce que t'es plus au niveau qu'eux. Puis ils sont moins en groupe que maintenant. Souvent, t'as plus de place pour te cacher. Ou. Plus de place pour fisser, là. Ou des fois, ils te voient pas, fait que tu peux tirer jusqu'à ce qu'ils te voient. Ok, ça, c'est un boss. C'est peut-être plutôt ça, à cause de la réapparition limitée. Ok, je vais me concentrer un peu, là. Fait que ça se peut que je parle moins. Oh my god. Ouf! Si on se cache pas, là, t'es presque sûr que tu meurs. Sauf si t'es niveau 24-25. Ouais, même 4-10, là. Ok, oh merde, j'avais pas rechargé. On se la grenade. Je pense pas que celui-là, ça a pogné l'autre à côté. Hey, il est long à battre. Pas grave. On va réussir. Ok, oh, il y en a d'autres qui sont apparus. Oh, on va finir par avoir. Essayer avec le shotgun. Ok, non, c'est pas bon. Ben, c'est bon, mais c'était plus proche. Sinon, c'est plus dur. Mais ça doit aller. On est à peu près à moitié. On devrait y arriver, là. Je crois que si j'allais sans mourir, ça serait la première fois. Oh, ça, c'est quand ils veulent te donner quelque chose. Oh, ça a l'air d'être une amélioration. Ben, pas une amélioration, mais un autre fusil meilleur. En tout cas, j'espère. Sinon, tu payes juste pas, là. Tu le vends. Je pense pas que tu peux vendre, je pense que tu peux juste les jeter. Ouh, oh my god, il était là lui. J'avais même pas vu, ça doit être pour ça que j'ai perdu full de vie. En tout cas, je suis presque mort. Oh boy. Des fois,
fois, le boss, ben moi je l'appelle le boss là, quand il a la vie jaune, il te fonce dessus. Et puis toi, t'es comme toi, tu veux t'en aller parce que sinon ça va te faire tuer. Ou sinon, il fonce vers toi, mais il tire en même temps. Fait que c'est un petit peu dur. Mais tu réussis à survivre parce qu'il fait une fois, puis t'as le temps de reprendre ta vie avant qu'il le refasse. Ou sinon, tu l'as déjà tué. C'est plutôt souvent, c'est que tu l'as déjà tué quand il. Des fois, il fait juste un coup parce qu'il le retue avant qu'il le fasse. Sinon. Ben, il le refait. Avec un peu de chance, tu survives. Alors, on vient de voir la boîte de distorsion, puis on vient de la tuer. Je suis content. C'est la première fois que je l'ai sans me faire tuer. Vous avez tué un archonte. Nous avons entravé les déchus et récupéré une boîte de distorsion. Nous pouvons aller nous battre sur la Lune. On voyait. Il faut que je vous présente au guide. On n'a pas évolué sûrement à cause du gars qui tuait tout le temps tantôt. Je peux pas encore le prendre. Ça, faut être niveau 3. Ok. Et ça, faut encrypter. Je pense qu'on dit ça comme ça. On va aller à la tour. Puis. Je vais prendre toutes les récompenses, puis peut-être qu'on va évoluer après ça. On va voir. J'ai-tu une récompense? J'en ai une. Ok. Comme je disais tantôt, il faudrait. Je vais essayer de faire une vidéo bonus qui va surtout parler. Ben, que je vais sûrement me battre contre d'autres joueurs. Sûrement, ça va être capture de zone. Puis, peut-être la prochaine vidéo ou dans deux vidéos. Je vais voir. Je vais écouter la vidéo. Il fut une époque où nous étions bien plus puissants. C'était il y a longtemps. En attendant le jour de son éveil, je suis celui qui parle pour le voyageur. Vous avez sûrement de nombreuses questions, gardien. Avant de s'éteindre, le voyageur a créé les spectres dont la tâche est de trouver ceux qui sauront se servir de sa lumière comme d'une arme. Des gardiens qui pourront nous protéger en lieu et place du voyageur. Que lui est-il arrivé? Je pourrais vous parler de cette guerre. C'est rare quand on parle. On parle seulement dans les vidéos, mais des fois on parle même pas. Vous parlez du pouvoir des ténèbres, son ennemi de toujours. Dans la cité, on raconte ces histoires pour faire peur aux enfants. Quoique plus tellement aujourd'hui. Les enfants n'ont plus besoin de ça pour avoir peur. Les ténèbres sont de retour. Cette fois, nous n'y survivrons pas. Ces armées nous encerclent. Les déchus n'en sont qu'à premier aperçu. Que puis-je faire? Vous devez repousser les ténèbres. Les gardiens se battent sur terre et ailleurs. Rejoignez-les. Désolé. Votre spectre vous guidera. J'espère juste qu'il vous a bien choisi. Ça, j'en suis sûr. Maintenant, nous sommes inséparables. Bon, ben, on vient de se faire présenter au chef. Je sais plus comment il s'appelle, mais moi je dis chef, là. De tous les ceux qui défendent. Ok,
va aller à la tour. On va aller décrypter. Désencrypter, je sais pas comment on dit. Mais qu'est-ce qu'on a eu? En espérant qu'on monte de niveau. Sinon, c'est pas grave, on va s'évoluer dans la prochaine mission. Assez long. Ok, ça devrait être moins long parce qu'on est déjà au Kelato. Parce que la tour est collée sur la terre. Pas collée, mais très proche. Sinon, ça devrait aller, là. Après, je vais faire une autre vidéo très bientôt. Puis une vidéo bonus, sûrement. C'est vraiment long, les chargements. Bon, ben, je crois qu'on a juste un à faire. Ouais. On va y aller. Les trésors qui... Oh, il nous donne un cadeau 200. 200, je sais plus comment ça s'appelle. Décrypté, c'est des bottes. Ça vous ira bien. Ok. Ah, oh, on peut pas voir. Ok, ben, on va aller. On a des affaires, mais je peux pas les prendre. Faut être niveau 3 ou 4. Ok, sinon on a rien. Ok, je voulais voir c'était quoi. Je pense qu'on a rien d'autre. Non. Ok. Sur ce, je vous laisse sur une petite danse. Et à la prochaine vidéo. Et je vais sûrement faire une vidéo bonus. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Natsu Gaming. À la prochaine, tout le monde. Bye.